chez eux, impossible d'envisager la vie sans le cinéma. Bientôt à l'affiche de Bernadette, une fiction inspirée de la vie de Bernadette Chirac, Catherine Deneuve a accepté d'évoquer ses rapports avec sa fille Kiara. Très tendre, l'actrice a d'ailleurs révélé qu'elle était en train de tourner un film en commun, ce qui l'a ravie. Il n'y avait qu'à voir leur regard, en mai dernier, sur la scène de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes pour comprendre toute la tendresse qui les lie. Entre Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve, l'amour est immense. Particulièrement proche, l'actrice légendaire et sa fille, elle aussi comédienne, partagent beaucoup, à la scène comme à la ville. Pour le plus grand plaisir de l'héroïne des Demoiselles de Rochefort, comme elle l'a confié à Version Femina cette semaine. Je ne cherche pas spécifiquement à jouer avec elle, note de la rédaction, mais je ne suis ravie, j'adore ma fille et j'aime être en sa compagnie. J'ai mis aussi la voir au cinéma, a-t-elle notamment révélé. Une belle déclaration d'amour à sa cadette, elle qui est aussi la mère de Christian Vadim. Et qui sait que la jeune femme a parfois souffert de son enfance entourée de célébrités. Qu'on lui parle toujours de son père et de sa mère n'a pas été simple, mais Chiara a su tracer son propre chemin, confie-t-elle avec fierté. Il faut dire que dans cette famille, qui fait partie des dynasties du cinéma français, difficile d'éviter les plateaux, ma fille Chiara est actrice, ma petite fille Anna aussi. Ma sœur était actrice, mes parents acteurs et ma grand-mère était souffleuse au théâtre de l'Odéon. Comme si jouer faisait partie de notre ADN, s'amuse l'actrice dans la même interview. Et à sa longue liste, elle peut également ajouter ses deux ex-compagnons les plus célèbres, Roger Vadim et Marcello Mastroianni, son fils, Christian Vadim, ou encore l'ex-mari de sa fille, Benjamin Biolay, resté proche de la famille. Un projet familial si esti d'ailleurs enclant que tous vont se retrouver devant la caméra, puisque Christophe Honoré, qui a déjà fait jouer Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni en tant que mère et fille dans Les Bien-Aimés, tourne actuellement un nouveau film avec elle. Et pas que, puisque leurs proches vont y jouer leur propre rôle. Je tourne actuellement un petit rôle dans Marcello, une comédie de Christophe Honoré, où Chiara tient le premier rôle. Elle y incarne Chiara Mastroianni, hantée par la figure de son père. Si est-il une histoire très originale, étonnante, où chacun joue son propre rôle, Nicole Garcia, Benjamin Biolay, Melville Poupeau, son ami d'adolescence, note de la rédaction, Fabrice Lucchini qui dans le film veut absolument se lier d'amitié avec Chiara. A révélé Catherine Deneuve. Un projet innovant pour faire allusion avec beaucoup d'ironie à la jeunesse de Chiara Mastroianni. Et qu'on a hâte de voir au cinéma.